Allez, pas de musique pour YouTube. C'est parti. Je vous branche tank au mid. Pas de cookies du coup. Ah, ça me fait chier de devoir faire Zonia, je pense. Okay. Ça lui donne des stacks de son item. Oui, il a 60. Ah, ouais, ok, quand il a mis les autos. Stylé. J'aurais dû toucher le deuxième Auré, c'est my bad. Ok, bon il a start au E, faut quand même faire gaffe dans les trades là. Nice, 37 d'auto. On est pas mal avancé. Je suis sûr qu'il va faire ça, mais bon, il prend l'aggro de la tour, il prend un Q-spell, c'est pas très smart. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça en vrai. Parce que, ok, il a corrupting, mais il a pas les cookies. Hein. Ce trade là, c'est quand même casse-couille. Heureusement qu'il met pas une auto de plus. En vrai, vu qu'on touche le Q-spell Comet derrière, c'est quand même ok. Il a plus de corrupting, faut laisser les deux potions tick en jouant safe et on est pas mal. Sa dernière corrupting est en train de tick chez lui. Et on sera even. C'est juste qu'il faut faire... Ok, nice. Un petit random tick comet. Faut faire gaffe parce qu'on est en range de all-in quoi. D'accord. Bah mid à no flash en 1v1. Je sais pas trop ce qu'il branle. Il mourrait pas. Hein. Enfin, il peut jamais... Il va TP, donc on va base. Je vais essayer de push ça. Il va TP bot, ouais. Il a rien eu? Non. Et on arrive à peu près à push ça, mais ça va freeze. Ça serait bien qu'il prenne pas de kill, quoi. Il a pas de flash. D'accord, il prend un kill. Et il va pas mourir. Hein. Et il kill notre jungle. Et il va tuer le Heimerdinger aussi parce qu'il a un E. Donc il prend 3 kills. Il va EZ. D'accord, donc il a 2-0 avec un red buff. Mais c'est un sacré cringe lord. Ok.
Looks like a playable lane. Mettre du niveau HP. Elle le crie pas tanké. Advar Vase. Ouais, j'ai quand même envie de jouer, hein. Spamping de rester pour se barrer au moment où l'im go in, c'est quand même un peu sad. Hein. Bon, j'ai perdu barrière et on l'a pas tué, c'est pas ouf. Et je sais pas qui c'est lui, mais c'est un. Life game. Un suédois, random. Cringe lord quoi. Well. Human melting point. The inconsistent. C'est bien. Je pensais qu'il allait Herald, mais il fallait vraiment pas Herald. Hein. Comme une sacrée top diff. Hein. Je suis pas sûr qu'il tue. Nice shield. Ça passe. No flash, no ignite. Ah, no. No air, no ignite, pardon. Un peu cringe ça. Hein. Mec passe sur une ward, il a pas de summoner, il flash, il meurt. Le... Enfin.
Ma base CDR. Je pense que Viandry c'est overall le better. On n'est pas assez devant dans la game pour en faire vraiment une utilisation correcte de Luden. Même si... Enfin, en fait ils sont pas vraiment squishy quoi, ils vont tous build des HP. Genre vraiment tous. Que ce soit top mid bot. Les seuls qui build pas d'HP c'est Z et MF, mais je peux pas vraiment taper MF, elle m'a outrange au R en fight. Et Z, ben normalement ils sont censés faire Gore Drinker les Z en jungle, mais il y en a très peu qui font Gore Drinker. Pourtant je pense que c'est très fort. Hein. Gore Drinker Z. Mais bon, c'est la solo queue, le mec il préfère faire de... Par vente magie. C'est top. Un pour un ou pas? Oui. Deux pour un avec l'aggro de la tour? Il a pas de flash. Clean. Ok, c'est clean. Ok, bon. Not bad. Après, on fait pas une, mauvaise game, hein, clairement. Mais ça joue bien. Ah, base. Yandry bot 32. Prendre une deuxième ping, on va avancer vers Zhonya. C'est Z. Après, je peux aussi ne pas faire de Zhonya vu que j'ai à avoir les sums. En fait, ça dépend un peu de... Est-ce que j'utilise mes sums next back ou pas? Les goals que j'ai sur moi et la situation de la game. Est-ce qu'on se fait un peu comeback niveau des shutdowns, tout ça, ou est-ce qu'on reste devant? Parce que Morello, c'est pas mal. Hein. Cette game. C'est pas mal. Cover un peu Camille ici. Je vais mettre ma petite trinket là-bas derrière. Oh, les flashs du Sylas dans la game, c'est quelque chose. Mais mort. Ok.
Level up. Serait mort du burn. Dommage. Pas trop pourquoi la Camille go in là-bas. Gwen a pris shutdown sur moi et sur Nocturne. Elle a deux items à la base là. C'est assez mauvais. D'accord. Par overtop, on fait Zonia quand même. J'ai plus de stopwatch, il me semble. Elle a pas de TP. Juste ward là pour pas me faire flank. Même si je pense qu'elle baise, hein, elle doit avoir du stuff. Il fait quoi le djinn? C'est... Je trouve qu'il y a moyen que ce soit un compte des worlds le djinn. J'ai pas trop fait gaffe dans la game, mais je pense que c'est un compte des worlds. Ouais, bon, il meurt. Lui a nos flash. Donc il est mort. Je peux le tuer au air, je pense. J'ai pas envie de air. Fallait juste qu'il touche son stun pour que mon Q hit. Gwen is immune. Meurs quand même. Et du coup, je l'avais utilisé ça ou pas? Non, ok. Je pensais que j'avais stopwatch déjà dans la game. Ça va m'aider un peu. Je pense pas que je fais Zonia, mais... Light, c'est le djinn. Ok. Je pense pas qu'ils aient besoin de moi au Nash, ça change que très peu de choses. On va jouer la Wavebot. Ok, faut y aller. Je pensais pas qu'ils allaient triple contest le buff. Normalement, on l'a, tu vois, mais.
Aïe 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 aïe. On a eu le nage quand même. On va go horizon, je pense. Fallait pas stopper tout de suite parce que sinon j'aurais pris la fin du R de MF, je serais sorti, je serais mort à la fin. Not bad. Your team has destroyed a turret. Such fascinating evolution. Toutefois, il y a une Drake, hein. C'est saoul. Ok. 2-3 wave. On va être bien avec ça, Gwen. De perdre cette game. Mais bon, leur mid a 100 creep et fait 3-11. Oh, what the fuck, il prenait les dégâts, quoi. On va peut-être plus le tuer. J'espère au moins plus 20, et on fait des plus 19 en ce moment.
Plus 19, moins 14, je crois.